Eh bien, salut à tous, c'est Blood of Devil. Aujourd'hui, on se retrouve sur Escape from the Tarkov et en bêta. Voilà, c'est parti du coup. Au pire, c'est plus rapide. Oui, au pire, si vous voulez vraiment voir d'autres vidéos sur ce jeu ou comprendre, en lien de description, il y aura la chaîne de Olivier Gaming et il a fait des vidéos dessus et des explications, tout ça du jeu en lui-même. Et voilà, il expliquera beaucoup mieux que moi. Ce sera plus simple. Alors. Hop, on va prendre ça avec. C'est des balles de quoi ça? Ben, c'est ça en fait. Le suivant. Là, on choisit où est-ce qu'on veut aller. Moi, je serais bien tenté de faire. Le labo. Ouais, le labo. Hein. 6 à 10 joueurs. 30 minutes. 6 à 12. 6 à 12. C'est les bois, ouais, c'est chaud les bois, je m'en souviens. 8 à 13. 6 à 12. Et on peut jouer aussi en équipe. On va faire le labo. Hop. Ah, bien. On peut pas. Et bah tenez. On va faire l'échangeur. Hop, voilà. Et en gros, bah, faut trouver des armes sur la map, survivre, gagner, pas se faire tuer. Mais franchement, c'est grave, j'ai jamais réussi encore à gagner une. Après, solo, c'est dur, on m'a dit. Du coup, faudrait que je tente en squad avec des potes ou quoi. C'est parti, raid 5, jour 17, niveau 2. Échangeur, ok. Extraction, chemin de fer ou centrale électrique. Voilà ce qu'il faut que je trouve pour m'extraire. Alors. On va fouiller un peu. Hein. Ah, je me disais bien, c'est quoi ce bruit? Mais en fait, c'est le bruit de la pluie. Faire gaffe, j'ai pas trop envie de mourir. Il n'y a rien. On va aller dans ce sens-là. C'était extraction, chemin de fer. Centrale électrique. Ok. J'ai déjà fait cette map une fois du coup, si je me souviens bien. Ou pas, on va voir. Oula, 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 il y a un type. Regardez là. Ça, je sais pas si c'est un bot ou un vrai joueur. Mais vu comment il marche, je pense que c'est un bot. Ok, il m'a déjà blessé. Oh là là. Il m'a déjà mis tarif. Ok, je l'ai vu. Il est bon. Putain, tu lui as blessé, ça coince bien. Peut-être quelqu'un qui l'a abattu.
Il est là. Putain! J'avais tiré. Bon bah, c'était rapide. Pas du tout. Voilà, c'était rapide, 3 minutes. Du coup, bah là, vu que mon personnage là est mort, faut que j'attende un certain temps pour pouvoir le réutiliser. Du coup, j'ai utilisé l'autre bonhomme. Et on va relancer parce que là, c'était trop rapide. On va prendre l'escave. Hop. Qui est pratique, le scav des fois t'as déjà des armes et je crois que j'avais survécu, enfin je sais plus aussi une fois. Alors point de contrôle, air marcon, extraction, chemin de fer, ok c'est reparti. Du coup bah c'est la même map, j'ai préféré comme ça on reste sur la même, au moins bah, au moins c'est plus sympathique comme ça, on essaye vraiment de s'enfuir de ça, a pas commencé à tirer hein. On essaye au moins de s'enfuir de celle-ci. Par contre, j'ai quoi? En poule USB, ouais, j'ai vraiment des trucs qui vont pas vraiment me servir. Ouais, c'est bien ça, on est au même endroit, on va dire presque. Je pense que ça a été fouillé clairement. Ah, on a quand même un sac. Ah non, putain, je suis bête. Je croyais que c'était un sac. Du coup, faut que je trouve chemin de fer. Il y a vraiment rien. Hein. C'est le chemin de fer. Il y a le centre commercial en face qu'on pourrait aller visiter aussi. Ça par contre ça pourrait être pas mal. Oula. Il y a des types. J'en ai vu deux même. Ok. On va tenter de se les faire. Pour gagner ma petite revanche de tout à l'heure. C'est pas ouvert. Ok. Oula. Ok, la terre. De 1. Le deuxième, il est où? Ça, je pense que c'était un bot. Hein. Vu comment c'était facile. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok, bon bah voilà, il est mort. Nickel.
Alors, qu'est-ce qu'il avait en train? Une cagoule. Oh oui, il fusil à pompe, on prend. Ça fouillait. On va même prendre son gilet au pire. Hop, un bruit. Clairement qu'on va le prendre. On peut pas, ok. Les poches, qu'est-ce qu'il y a dans les poches? On va prendre, on verra bien. Ok, du coup l'autre. Qui est mort, il est juste là, on va aller le voir. On a un fusil à pompe. Ça c'est pas mal. Il est où? Bah ouais, hein, il est là. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Oh, pas mal ça. Je pense que je vais prendre. Celle-ci. Hop, ça doit être le chargeur pour celui-là. Voilà. On a une clé, c'est pas mal, je pense. Donc on a 50 balles, ça devrait le faire. On a un diviseur sympathique. Bon. Trouver les rails. Là, on a le centre commercial. On va passer dedans. Même si j'ai peur. Là, bah ouais, ça tire déjà. On va faire gaffe, hein. Parce que j'ai pas envie de mourir, on est bien parti, on a deux mecs morts. On va voir pour monter là-haut. Des fois qu'on a une vue sur, sur la ville pour trouver les rails. On voit ici ces trois endroits pour se faire tuer là.
pas la meilleure chose. C'est pas le meilleur des endroits. En haut, je crois que ça va rien nous rapporter. Je pense qu'on va devoir continuer notre route. Ouais, bon, il n'y a rien. Ok, là on peut redescendre, nickel. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son casque. Oula. Là, il y a plusieurs morts. Ok. Je l'ai vu passer. J'ai vu un type passer. Il est où? Wow, wow, wow. Ok. Bon, je suis mort. Putain. Ça, je crois que c'était un vrai joueur. Hein. Par contre, sera tout. On a deux persos morts. Et en plus, en fait, faut aller jusqu'à une zone équipée et tuer les autres, quand même. Un petit peu. Mais voilà. Hop. Putain, il m'a mis cher. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. C'était Blood of Devil. Bye bye.